Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom et bienvenue sur cette vidéo unboxing. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo unboxing, ça m'avait manqué. La semaine dernière, j'ai sorti une vidéo Secret Santa qui consistait à offrir un cadeau à Dollmill. Cette fois-ci, c'est à mon tour d'ouvrir mon cadeau. Et de ce que je peux voir sur l'emballage, ça vient de Dollmotion. Je suis pressée de l'ouvrir, mais je vais quand même vous parler un peu de Dollmotion pour les personnes qui ne la connaissent pas. Donc, elle est vraiment très douée pour la sculpture, elle a vraiment une aisance à modeler ses poupées pour les transformer en animaux, mais elle est surtout réputée pour ses animations en stop motion. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une technique d'animation qui permet de donner vie à des objets. Allez, on va déballer tout ça, et j'en profite pour vous dire que Dollmotion vit aux Pays-Bas. Et on commence avec une carte où elle explique qu'elle a demandé à ses abonnés sur Instagram en quel animal elle devrait transformer sa poupée et qu'en majorité, ils avaient choisi un panda roux. Premier paquet de bonbons, un Père Noël en guimauve. On a ici plein de petits cadeaux, en commençant par une paire de chaussettes ultra douces sur le thème de Noël. Un gros morceau de tissu imprimé. Alors ça j'adore, c'est un crayon sucre d'orge. Alors ça c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. C'est un porte-clés petit pois. J'ai choisi un cadeau au hasard et il a fallu que ce soit un carton. Les classiques et indémodables sucre d'orge, évidemment. Une très jolie boîte, pleine de petites choses qui vont me servir pour la customisation, notamment des perles et des strass. Tony's Chocolate Lee, j'en avais déjà entendu parler, et il me semble même que j'en avais déjà reçu lors d'un swap peut-être, je ne me souviens plus. Toujours est-il que je suis une grande amoureuse de chocolat, donc Nathalie, ouais, tu touches une corde sensible. On a ici, je suppose, une spécialité des Pays-Bas, c'est du chocolat avec des petites billes de sucre dessus, c'est très très bon. Je vous rassure, j'ai pas tout mangé avant la fin de la vidéo, hein. Une autre jolie boîte avec des accessoires.
m'attendais tellement pas à recevoir un alpaga, j'adore. J'ai trouvé des bonbons au fond de la boîte, alors je pensais que c'était un peu comme des mentos, mais en France, c'est plus l'équivalent de Vichy à la menthe. Et c'est parti pour déballer la poupée. Elle est trop belle, elle est magnifique. Ne serait-ce que au niveau du body paint, ça je sais que c'est très compliqué à faire, de repeindre entièrement une poupée. Au niveau des jointures, en général, ça a du mal à tenir, mais là, vraiment du beau boulot, hein. Elle est superbe. Un immense merci à Dolmotion pour tous ces cadeaux, vraiment, je suis super contente. J'ai mangé tout le chocolat. Et j'espère qu'on refera d'autres collaborations ensemble en 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Tchuss !